À la vie. Comment est-ce qu'on dit? Eh bien voilà. Ouvert à la vie. Je disais qu'ils vous ont façonné, j'allais dire, comme un beau vase, que vous êtes devenu la contagion du Merci. Bonheur chez Erol. Alors, c'est marrant parce que j'ai, en préparant un peu l'émission, j'ai vu qu'il y avait énormément de personnes assez considérées, des personnes célèbres, donc Churchill, Thomas Edison, etc., qui sont passées par des échecs assez fulgurants. D'ailleurs, Churchill qui disait « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme ». Alors, vous qui êtes un grand enthousiaste, Franck, est-ce que ça vous parle? Bien sûr que ça me parle. Oui, il y a pas mal mais de... Mais c'est rude en même temps. Oui, c'est rude. Et, mais en même temps aussi, c'est, il y a Nelson Mandela aussi qui disait qu'il n'avait pas d'échec. C'est soit il recommençait, soit enfin, il se donnait du feedback. Voilà, enfin, je ne sais plus quelle était la formule exacte, mais c'était très intéressant. Alors, moi, personnellement, la notion d'échec, je l'ai vécu pendant pas mal de temps, jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'échec, il y avait juste du retour d'information. Du retour d'information. Du feedback en anglais, vraiment du retour d'information. Et entre autres, ce que j'ai découvert, c'est que ça venait de quelque chose qui nous habite depuis qu'on est arrivé au monde, depuis qu'on est tout petit. Voilà. Tout bébé. Qui est cette fameuse loi d'un type assez incroyable qui s'appelle William Ross Ashby et qui parle de la loi de la variété requise. C'est-à-dire en deux mots. Vous faites quelque chose dans un contexte donné, vous obtenez un résultat, si le résultat vous va. Vous continuez, voire vous en rajoutez, puisqu'on sait que plus de la même chose entraîne plus du même résultat. Mais si jamais vous êtes conscient, présent, et que vous vous rendez compte que ce résultat ne vous va pas, eh bien, tout vaudra mieux, la variété est requise, tout vaudra mieux que ce que vous faites habituellement, puisqu'on sait que plus de la même chose entraînera plus du même résultat, sauf si vous êtes un peu maso. Voilà. Et du coup, ce que je disais, c'est que les enfants ont ça de manière non conceptuelle. C'est-à-dire que dès qu'ils arrivent au monde. La loi de l'adaptation au monde, c'est cette loi du feedback et de la variété. Et on dit d'ailleurs que les enfants s'adaptent mieux que personne. Là, on voit en ce moment avec la crise sanitaire, etc., à quel point ils se sont rudement bien adaptés, au fond. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a ça aussi quand même. Quand on est adulte, on la garde. Pour recontacter cette affaire. Ouais. Finalement, Philippe Prel, vous qui avez écrit un livre sur moi, si je puis dire, avec un grand M, bien évidemment. Oui. Il n'y a pas de réussite sans échec. Est-ce qu'on peut dire résumer un peu ça comme ça, finalement, pour rassurer, pour commencer un peu les auditeurs sur cette affaire d'échec qui nous hante tous, puisqu'on est dans un monde où la perfection règne, où il faut être tout de suite très performant, où il faut ne pas montrer qu'on ne va pas bien, pas montrer qu'on est fragile, etc. etc. Oui, tout à fait, je souscris à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Je vous remercie. Et je rajouterais simplement que quand on parle de son vécu conscient, en fait, nous interprétons tout ce qui nous arrive. Et un échec peut être interprété de manière positive si j'en retire des leçons et que la prochaine fois, je sais comment je vais réussir. Mais paradoxalement, une réussite, finalement, peut nous entraîner dans une vie de malheur où je deviens addict à la réussite. On le voit très bien avec les sportifs qui ne savent plus s'arrêter. Tal Ben Charles décrit très bien dans son livre L'apprentissage du bonheur. Un jour, il était champion d'Israël de squash. Et puis, so what, le jour même, il était heureux. Le lendemain, il était déprimé. Il se dit, mais c'est quoi après? Yannick Noah, en 83, avec Roland Garros. Oui, voilà. C'était précisément ça. Yannick, le but de sa vie, en tout cas, à un moment donné, c'était précisément de gagner Roland Garros. Et quand il a gagné Roland Garros, ce que disait Philippe, que vous avez coaché, je crois. Et so what, je l'ai pas. Non, j'ai travaillé avec Patrice Agelauer, qui était son coach. Ouais. Je l'ai fréquenté un peu. Et donc, je vous ai coupé. Et donc, du coup, au lendemain de sa victoire, c'était so what. Et maintenant, quoi de nouveau? Alors, c'était pas vu comme un échec ou une réussite. Moi, ce que je dis souvent, mais ça va avec ce que Philippe vient de dire, c'est que c'est pas la réalité qui nous limite ou qui nous booste, c'est l'idée qu'on s'en fait. On n'a pas le choix dans ce que la vie nous réserve et nous pose tous les matins devant notre porte. Par contre, on a toujours le choix dans la manière dont on l'interprète. Et c'est ce que le monde des adultes a oublié de nous réapprendre, de nous apprendre tout court, en tout cas de nous faire comprendre quand on était petit, quand on passe de cet âge merveilleux où on est zen, on est complètement des petits bouddhas, jusqu'à l'âge de raison, globalement autour de 5, 6, 7 ans en fonction de la maturité des gosses. Mais tant qu'on en arrive là, tant qu'on est là, dans ce stade de cette vie, on est juste extraordinaire. On est doué de super pouvoirs de l'innocence, qui était un de mes bouquins. Et à partir du moment où on devient raisonnable, c'était pas raisonnable au sens où nos grands-mères nous disaient « sois raisonnable », c'est-à-dire « sois gentil », sous-entendu « m'embête pas », c'est soit « reasonable », soit « capable de raison ». Mais cette capacité à raisonner, en fait, utilise
on en parlera sans doute après, mais utilise cette formidable capacité d'adaptation au monde que nous avons en nous, qui sont ces généralisations, ces omissions, ces corrélations et distorsions qu'on est capable de faire de manière extraordinaire et non conceptuelle. Hein. Le petit bébé, il n'est pas en train de se parler, en train de se dire alors là, je vais toucher mon mobile. Non, il ne se dit rien. On n'est pas dans le film Allô maman, ici bébé, quoi. Ouais. Et il a ça en lui, il porte ça en lui. Et en tant qu'adulte, on continue de porter ça en nous, sauf que avec l'acquisition de la parole et puis à un moment donné de la pensée et de la manière dont cette pensée devient un autre nous-mêmes, hein, eh bien on continue de faire ces généralisations, ces omissions et ces distorsions, mais de manière totalement non à propos. Oui, vous dites que c'est le monde finalement qui nous influence quand on est petit, petit à petit, qui nous apprend ce que c'est que l'échec, la réussite, la performance ou les ruptures, les continuités, les conflits entre humains, etc. Ouais. Finalement, quand on est petit, on arrive. On est dépendant, mais finalement, on est zen, comme vous dites. Oui, mais Philippe le dit très bien, parce que je pense que j'ai lu deux, trois choses de Philippe. On est vraiment alignés ensemble là-dessus. C'est là où on peut être son pire ennemi, effectivement, si on reste dans cette optique d'avoir appris finalement, de rester sur ce qu'on a appris enfant. Ce monde d'adultes qui nous a appris à être en conflit avec nous-mêmes, avec tout le monde, en disant « je suis nul », etc. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la conscience, l'accès à la conscience, la sortie de l'enfance, nous amène progressivement à de nouveaux degrés de liberté. Mais ces degrés de liberté marchent dans tous les sens, dans un sens qui peut être positif comme dans un sens négatif. Négatif contre ça. Alors, je vais prendre un exemple. Allons-y. Tout simple. C'est, il n'y a pas en parler de Franck. Voilà. trois personnes sont dans un ascenseur, ouais. Et puis cet ascenseur est bloqué entre deux étages. Voilà. Eh bien, à partir de là, premièrement, on ressent un stress, tous, parce que c'est pas agréable d'être bloqué. Donc ça, c'est le premier réflexe, c'est l'émotion pure, ouais, que j'appelle motrice. Mais ensuite, on va observer trois comportements. Celui qui va paniquer complètement, qui va hurler, premier comportement. Celui qui va se mettre en colère contre le syndic. Le fabricant. Voilà, voilà. Et puis le troisième qui va se dire, cool, on va appeler le dépanneur. On va agir. Et ça va le faire. Bon. Eh bien, on voit bien que notre conscience nous a amené tous ces degrés. Ce qui fait que ça enrichit considérablement nos vies. Et effectivement, c'est ce qui est important, c'est de se prendre du recul dans certains moments et de se dire, est-ce que mon comportement fonctionne dans ce cas-là? Parce que finalement, dans le cadre d'un échec, pour revenir sur votre sujet, ce qui est fondamental, c'est d'arriver à se dire, cet échec-là, je l'ai. Je vis quelque chose qui est terrible, c'est un inconfort psychologique, oui, très lourd. Pas agréable. C'est pas agréable, mais je vais supporter cet inconfort parce que je veux malgré tout continuer et réussir autrement ou faire autre chose. Mais c'est ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la flexibilité psychologique, c'est-à-dire c'est l'aptitude à avancer dans nos buts, quelles que soient les choses qui nous arrivent et les émotions, sensations, pensées pénibles qui vont nous assaillir à ce moment-là. Ouais. Et ça, c'est fondamentalement ainsi que l'on arrive vraiment à être l'ami de son moi. Tout un programme. Mais en fait, ce que vous décriviez là, c'est la loi de la variété requise, précisément. C'est-à-dire, avec des mots savants. C'est si je fais un lien entre ce que je suis en train de faire et ce que j'obtiens, eh bien, si je suis présent, si je suis conscient à ce que je suis en train de faire ici et maintenant, je peux changer. Si je me rends compte que ce que je fais amène un résultat qui ne me va pas. Sans être pollué par son passé, par l'échec précédent, c'est ça finalement que vous voulez dire. Complètement. Alors oui, il y a aussi un autre truc que je voulais dire par rapport à ce que Philippe vient de dire, c'est le sens que l'on donne au mot conscience. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'aurais presque tendance à dire que quand on arrive à l'âge de raison, on accède à l'inconscience. C'est-à-dire qu'on perd finalement cette espèce de conscience à la présence que nous avions quand nous étions tout petits. Donc j'ai faim, j'ai soif. Au-delà de ça, Marie, ouais, c'est vraiment le fait d'être totalement déconnecté du monde entre guillemets social et adulte qui gère le temps, qui gère l'espace. Et le petit enfant est comme un petit chat. Le petit enfant comme un petit tigre, c'est-à-dire qu'il a cette capacité à passer d'un truc à l'autre. Alors il va exprimer ses réactions. Hein. Il n'a pas encore d'émotion au sens étymologique du terme. C'est-à-dire qu'on dit souvent que l'émotion, c'est une réaction du corps aux pensées. Et justement, comme ce petit n'a pas encore ses pensées, c'est-à-dire qu'il n'a pas cette fluidité du langage qui lui permettrait d'avoir la fluidité de comme la pensée, à l'âge de raison. Comme à l'âge de raison, et qu'il n'a pas ce dédoublement de la personnalité, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore construit lui-même son ego. Par contre, ses parents s'en chargent, hein, le social s'en charge bien. Eh bien, il arrive justement à rester dans cette conscience de l'instant présent. Et quand il arrive à l'âge de raison,
qu'il commence à avoir cette fluidité de raisonnement qui va avec la fluidité de son langage, hein, les deux sont intimement liés. Eh bien, tout d'un coup... Et là, il se rend compte d'ailleurs qu'il échoue, d'ailleurs. Oui. J'ai raté mon dessin, voilà. J'ai raté... C'est là où il commence. Alors, il y a toute une série d'autres choses. Il porte des masques pour plaire au monde adulte, à ses enfants, à ses parents, etc. C'est complexe. Ouais. Et du coup, ce qui est, c'est terrible. Enfin, en tout cas, moi, la prise de conscience de ça en tant qu'adulte, c'était de me dire « Ouais, mais je suis tellement passé à côté de ça que j'ai oublié de pouvoir aider mes enfants, mes propres enfants. » Et aujourd'hui, le monde des autres enfants a resté dans cette conscience. Et le pire du pire, c'est que le monde autour de nous, les médias, les éducateurs, etc., passent leur temps à faire ces généralisations, ces omissions et distorsions, mais toujours mal à propos, si j'ose dire, mal à propos. C'est-à-dire que, quelque part, par exemple, quand on parle de corrélation intelligente, c'est toute la créativité du monde. C'est-à-dire quand vous faites de la créativité, quand Fleming découvre de la pénicilline, il fait une corrélation extraordinaire. Et en tant qu'adulte, on continue d'avoir cette capacité extraordinaire. Mais on est aussi capable de faire des espèces de corrélations, des faux syllogismes. Je ne sais pas si vous venez vous souvenez de Socrate. Oui. Le syllogisme de Platon et de Socrate, c'était Socrate est humain, tous les humains sont mortels, Socrate est humain, donc Socrate est mortel. Mais on est aussi capable de dire le chien a le nez froid, j'ai le nez froid, donc je suis un chien. Donc c'est-à-dire, par exemple, Marie-Ange ce matin m'a pas souri, je pense qu'elle veut plus travailler avec moi. N'empêche que c'est quelque chose qu'on peut vivre, ça. Mais bien sûr, mais c'est juste pas factuel. Ouais. C'est juste pas factuel. En quoi le fait que Marie-Ange... Première leçon, si je résume, parce que je sais que Franck est très bavard. Si vous mettez la pièce, je continue. Mais je l'enlève tout seul, parfois. Alors, juste avant de demander son avis à Philippe Prel sur le parcours de Franck, qu'il raconte dans son livre... Je me suis mariée très jeune, 22 ans à peine. Ma première fille étant née quelques mois auparavant, j'ai tout fait très tôt. Puis j'ai créé ma première entreprise, accueilli mon fils, avant un second mariage et l'arrivée d'une autre fille. J'ai toujours, dites-vous, été sous pression, sans pour autant le laisser paraître, sauf pour mes proches. Et me voyais parfois péter les plombs, les proches en question. Je me bouffais de l'intérieur. Ouais. C'est-à-dire que vous avez tout bien fait, en apparence. Vous n'avez pas réfléchi, vous étiez inconscient au sens vulgaire totalement, du terme. Ouais, totalement inconscient. C'est dingue cette affaire. Ouais. Jusqu'au jour où le ciel m'est tombé sur la tête. Et c'est ça qui vous a fait repartir à l'endroit, si je puis dire. Oui, mais ça a encore mis du temps pour comprendre justement que cet instant magique que j'avais vécu lors d'une journée un peu tragique pour moi, en tout cas très difficile, m'a amené à, en fait, pendant encore des années, jusqu'à l'âge de 50 et quelques années, donc j'en ai 60 bientôt, donc pas mal de temps, à vivre quand même, malgré tout, à côté de moi, si j'ose dire, à côté de soi. Ouais. Alors là, évidemment, ça fait écho à votre discours, Philippe Prel. Et finalement, ça fait écho aussi, évidemment, au thème de l'émission, qui est cette balance à trouver entre échec et réussite, un équilibre qui ne soit pas non plus excessif dans la soif de réussite ou dans la complaisance dans l'échec non plus. Mais c'est intéressant, ce genre de parcours. On est tous un peu passés, même j'imagine que vous aussi, on est tous un peu passés par des caps comme ça dans la vie où on est dans la... Il a eu un vrai coup de foudre. Oui, il s'est pris un coup de foudre en plus, lui. Oui. Moi, j'aimerais vraiment, à ce stade de la discussion, amener deux notions, effectivement. La première, très rapidement, c'est que on arrive tous à des moments où les événements nous amènent à nous demander, mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et quand ça arrive, qu'on a un cancer... C'est juste un peu dommage que d'avoir attendu tout ce temps pour se dire mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et aujourd'hui, ce qui est quelque chose qu'on dit souvent, effectivement. Mais oui, qu'on entend. Oui, qu'on entend, mais que l'on observe. Moi, je des patients, je me vois. Voilà, j'ai 57 ans. On m'a diagnostiqué un cancer du sein, mais je me dis mais finalement ma vie, voilà. Donc c'est des réalités. Et c'est vrai qu'en ce moment, la période actuelle avec le Covid amène beaucoup de personnes à s'interroger sur ce qu'ils ont envie de faire plus tôt. Et c'est tout à fait intéressant. Alors là, ça m'amène une deuxième réflexion, c'est que finalement, on a parlé de flexibilité psychologique tout à l'heure, et il faut bien voir que ça a deux composantes. La flexibilité, ça a une composante d'acceptation, donc j'accepte cet échec, mais ça a une composante de valeur. Qu'est-ce qui est important pour moi pour continuer à avancer? Et ce sont les valeurs qui nous guident. Souvent, quand on a une vie qui est trop dans le court terme, dans le stress, comme sous pression, et c'est vrai qu'on oublie cette notion de valeur. Et pourtant, plus on s'engage dans nos valeurs, plus nous sommes capables d'accepter des inconforts psychologiques élevés. Donc ça, c'est une notion qui est tout à fait fondamentale. Qu'est-ce que vous appelez valeur, finalement? Les valeurs, c'est profondément ce qui nous fait vibrer.
Et quelquefois, nous faisons... C'est un mot qui est un peu galvaudé. C'est pour ça que je me permets de vous reposer la question. Oui, vous avez raison. Sur Radio Notre-Dame. Bah, c'est quelque chose sur laquelle, enfin, que j'explique bien. J'y consacre tout un chapitre parce que c'est effectivement clé à comprendre. Il y a une énorme différence entre nos motivations, qui peuvent être contradictoires. Je peux vouloir manger du chocolat et maigrir en même temps. Absolument. Voilà. Donc, qui m'arrive tous les jours. Voilà, ça nous arrive à tous. Donc, nous ne sommes pas la somme de nos motivations. D'accord. Pour commencer, c'est important de prendre en considération. Oui. En revanche, les valeurs, nous sommes la somme de nos valeurs. Parce que nos valeurs, si je vibre pour une chose, je ne vais pas vibrer pour son contraire. C'est vraiment très simple. Alors les valeurs, on les rencontre de plein de manières. Mais je sais, par exemple, moi j'explique qu'à un moment donné, j'ai arrêté de fumer. J'avais 28 ans, je faisais tout pour arrêter de fumer. J'avais fait médecine, je trouvais ça idiot. Et puis, je n'y arrivais pas. J'avais toutes les motivations du monde, dont la mauvaise haleine, parmi d'autres. Ah tiens. Et puis, oui, voilà. Mais, c'est rarement évoqué, ça. Mais ça n'arrivait pas à me décider. Enfin, j'arrivais pas. Et puis un jour, je suis allé chez un confrère qui m'a dit tout de suite, stop, arrêtez, reculez. Voilà, je supporte pas votre haleine. Donc j'ai reculé. Et puis après, il m'a fait encore reculer. Et là, qu'est-ce qu'il a fait de fondamental, c'est que il m'a fait vibrer. Il a touché ce que j'appelle un diamant. Mon diamant, en fait, qui avait d'ailleurs une mauvaise haleine, c'est mon désir de construire des relations avec les autres et d'aider les autres. Et c'est pour ça que j'ai fait médecine. Tout ce qui est dans ce registre-là, c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, que je fais tout ce qui m'intéresse. Ouais. C'est ça, ma vibration. C'est ma valeur. Et en me faisant reculer, il a appuyé fort sur ma valeur. Et j'ai arrêté dans les 3 mois. Donc ça a été dingue. Radical. J'ai arrêté comme ça. Ça a été très, très simple. Alors, il faut toucher le fond dans son diamant. Comme dire, il faut être percuté dans son... Il faut le chercher. Alors, quelquefois, on arrive à les trouver tout seul. Il y en a. Quelquefois, c'est au cours d'un voyage. On va découvrir... Ça peut être un pays qui correspond à nos valeurs. Ça peut être une communauté, etc. Oui. Eh bien, je vous propose de nous retrouver dans quelques instants autour de cette thématique, cette question du jour. Comment transformer ces échecs en force dans la vie ? C'est pas si abstrait que ça, c'est mais parfaitement concret. Avec nos deux invités du jour, Philippe Prel et Franck Martin, à tout de suite. La Croix vous présente le nouveau hors-série « L'année des religions ». Grâce à la profondeur, le recul et l'expertise du journal La Croix, plongez dans les grands événements qui ont fait l'actualité des religions pendant l'année 2020. L'année des religions, en vente en librairie et chez votre marchand de journaux. C'est une maison qui a toujours existé. Avec son odeur et sa décoration hors du temps, elle déborde de souvenirs d'enfance. Vous y venez toujours avec un mélange de plaisir et de nostalgie. Cette maison, c'est celle de vos parents. Et vous comprenez très bien pourquoi ils tiennent à y rester. Petit-fils aide les grands-parents à rester chez eux partout en France. Petit-fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel, -fils.com. Le bonheur en musique, Edith Walter. Le bonheur en musique existe et il embellit la vie. Pour cela, je souhaite partager avec vous mes émotions musicales, passées ou dans l'actualité d'un proche présent. Que ce soit l'évocation d'un concert particulièrement émouvant, d'un disque exceptionnellement beau, ou encore la promesse d'un événement musical à venir. La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve, dit Alfred de Musset. La musique participe à son bonheur. Le partager chaque semaine avec vous est mon défi. Le bonheur en musique avec Edith Walter, chaque vendredi à 20h45 et le dimanche à 14h30. En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu. Ce matin, nous nous interrogeons. Nous posons la question suivante. Comment transformer ces échecs en force dans la vie ? Nous en parlons avec Philippe Prel, médecin psychothérapeute qui vient de publier « Moi, apprendre à vivre avec son meilleur ami et son pire ennemi » chez Albin Michel, et Franck Martin, qui est coach expert en relations de confiance, qui a publié son petit dernier « La contagion du bonheur » chez Erol. Il raconte son propre parcours, au fond, d'échecs et de joie qui se termine bien parce qu'il a conscience de ce qu'il vit au présent. Si j'ai bien compris la leçon de ce livre, en résumé. Effectivement, nous parlions à l'instant d'une notion qui vous rapproche finalement un peu tous les deux et qui est en lien évidemment avec cet équilibre entre échec-réussite, équilibre
parfois qui se joue sur le fil de la vie. Évidemment, on oscille tout le temps finalement entre ces deux c'est une perception finalement peut-être l'échec. On peut peut-être passer par là avant d'évoquer la question de l'optimisme, parce que c'est vrai qu'elle est très en vogue, mais elle aussi ridiculisée parfois, cette notion d'optimisme. Alors juste avant d'interroger Franck un peu là-dessus, finalement, docteur Philippe Prel, est-ce qu'il faut être optimiste pour voir ces échecs s'éclairer un petit peu, avoir un sens peut-être? Oui, c'est une question tout à fait intéressante. En fait, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que toutes les études montrent que les optimistes réussissent mieux en tout. Ils réussissent mieux leur couple. C'est prouvé, ça. C'est prouvé, oui, oui, il y a eu ils des études. Ils vivent plus longtemps, ils sont en meilleure santé, ils réussissent mieux leur couple, ils réussissent mieux la profession, ils sont plus riches, ils sont plus cultivés, ils sont plus Alors, tout. Qu'est-ce que ça veut dire être optimiste? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, c'est là que c'est intéressant, et c'est vraiment le vécu par rapport à la réussite et à l'échec. C'est quelqu'un, le plus simple, c'est de dire, c'est quelqu'un qui voit le positif. Oui. Non, mais c'est plus loin que ça. En fait, c'est fondamentalement, c'est quelqu'un, ce qu'il fait réussit, c'est grâce à lui. Et quand il y a quelque chose qui rate, c'est plutôt de la faute des autres. Alors, on se dit comme ça, a priori, oui, c'est un petit travers. C'est étrange. Non, mais c'est la réalité. C'est comme ça que pensent fondamentalement les optimistes. Ça a vraiment été étudié. Mais ce n'est pas négatif, forcément, par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'abîme pas quand il va supporter un échec. Il ne va pas se mettre en cause profondément. Alors, comment la question qu'on peut se poser en tant que parent, tout de suite, c'est comment faire un optimiste Attendez, pardonnez-moi juste avant. C'est-à-dire qu'il ne tire, parce qu'on dit souvent tirer ses leçons de ses échecs, mais alors là, il n'y a plus de... Comment... Si, alors je vais vous expliquer justement comment on peut faire les deux. Parce que c'est ça qui est fondamental, il faut toujours une dose de réalisme. Bien souvent, quand nous sommes parents, nous avons envie de mettre trop de réalisme. On veut vraiment protéger nos enfants et qu'ils se rendent compte que, attention, là ça va pas, etc. Et là, on fabrique pas du tout un optimiste, parce qu'on les met toujours en face à leur échec, etc. Tandis qu'un optimiste, alors je vais prendre un exemple, il faut toujours des messages en deux temps. Par exemple, un enfant revient de la classe, il s'est fait gronder par sa maîtresse parce qu'il a oublié sa gomme. voilà. Ça nous est tous arrivé. Premier réflexe du papa, on va dire, c'est de l'attraper, mais t'es qu'à prendre ta gomme. Ça, ouais. Là, vous n'allez pas fabriquer un optimiste. Deuxième façon de procéder, c'est être en soutien. Ah oui, elle t'a grondé pour ça. Oui, je comprends. T'as dû vivre ça difficilement. C'est pas facile, c'est dur. Je comprends. Bon, autrement dit, la maîtresse, bon. Mais je suis en soutien de mon fils. Le soutien est inconditionnel. Et ensuite, ça c'est la phrase optimiste. C'est pas toi, c'est pas 100% toi, voilà. Et la phrase réaliste. Mais au fait, la prochaine fois, qu'est-ce que tu pourrais faire pour éviter ce problème? Ah, d'accord. Voilà. Parce que j'étais en train de m'inquiéter, je me suis trompé d'invité. Non. Mais donc, en deux temps, vous passez le message, je suis avec toi, on est dans la même équipe. Voilà, tu es pris un coup, je te soutiens. Ouais. Mais la prochaine fois, voilà. Fais et ça, c'est typiquement tout ce que font les coachs sportifs. Quand vous les regardez, c'est exactement ça. Le premier temps, c'est je suis avec quand toi. Quand on rate un match, par exemple, oui, imaginons. Je suis avec toi. Ensemble, voilà. Et après, simplement, oui, tiens, à cette occasion de jeu, peut-être, réfléchissons. Voilà. Est-ce que Franck Martin est d'accord, par exemple, quand un joueur de tennis rate un match? Exactement, hein. Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner quand même beaucoup de sportifs de haut niveau. Et entre autres... J'ai eu la chance de travailler avec des gens super comme Patrice Agelauer, comme Eric Debliquer, Georges Goven dans le tennis avec l'équipe de Coupe Davis quand Georges Goven était le capitaine. Ouais. Et avec Georges, on avait mis au point après avec l'équipe de France Espoir dans laquelle il y avait Nicolas Escudé, des gens comme ça, ce qu'on appelait le développement d'une SEP, alors pas d'une sclérose en plaques, mais d'un sentiment d'estime et d'efficacité personnelle. D'accord. Et fait, le truc était tout bête, c'était exactement ce que vient de dire Philippe. C'est-à-dire que plutôt que de faire travailler les joueurs sur leurs coups faibles, qui se focalisent précisément sur la faiblesse du joueur, on fait travailler le joueur sur ses coups forts, de telle manière que ses coups forts deviennent des coups extrêmement forts. Et quand il fait ça, il renforce son efficacité et son estime personnelle, et comme par enchantement, l'ensemble de son niveau monte. C'est-à-dire que non seulement ses coups forts sont super forts, mais ses coups faibles deviennent des bons coups.
Alors, ils ne sont pas des super coups, mais en tout cas, il a progressé beaucoup plus que si on l'avait fait. Il a confiance en lui. Mais bien sûr, parce qu'il a ce sentiment d'efficacité et d'estime personnelle dont parlait Philippe tout à l'heure avec les enfants. Donc, on fait ça avec les sportifs de haut niveau. On fait la même chose avec des footballeurs, avec des pilotes automobiles. Moi, j'ai eu la chance de bosser avec deux, trois pilotes, notamment qui travaillaient dans le cadre de Renault Sport. Ouais. Et c'était juste génial de leur faire prendre conscience, justement, de cette efficacité qu'ils avaient, ce qui leur permettait précisément d'avoir une image d'eux-mêmes qui était vachement renforcée. Ah, par exemple, quand un joueur rate un match, pour revenir exactement sur l'étape 1 et l'étape 2 évoquées par Philippe Prel à l'instant, il y a une méthode de feedback qui est archi vous simple. Vous aussi, vous dites c'était pas feedback, bonjour, feedback en trois points. Je vous donne un exemple. Je me souviens plus de l'année. J'accompagne un jeune joueur de l'équipe espoir de France qui s'appelait Maxime Huard. Ouais. Petit gamin de 17 ans qui fait les qualifications du Grand Prix de tennis de Lyon. Il avait une wild card parce qu'il n'était même pas normalement au niveau pour pouvoir rentrer dans les qualifs. À l'époque, c'était un tournoi qui était quand même assez élevé. Il passe toutes les phases. Il tombe contre un joueur connu à l'époque qui s'appelait Doumbia en dernier tour des qualifs. Il le gagne. Et puis ensuite, il passe coup pour coup trois tours et il se retrouve en quart de finale contre le type pour lequel il avait des posters dans sa chambre, Pete Sampras. Non. Il se trouve à 17 ans contre Pete Sampras et il fait un match qui est le meilleur match qui avait été joué jusque-là contre les adversaires donc de Pete Sampras. On est dans la réussite pour l'instant. On est dans la réussite. Il se plante bien sûr contre Pete Sampras. Je dis bien sûr, c'était pas si évident que ça parce qu'il a fait un 2-7, mais le deuxième set très accroché. On se retrouve dans les vestiaires et donc j'avais un mode de feedback avec lui qui était un mode intéressant. Et donc il était un peu énervé parce qu'il sentait qu'il était passé à côté d'un truc. Même si c'était une très belle réussite et qu'il avait gagné tout d'un coup, je ne sais plus combien de places à l'ATP. Ouais. Et je lui dis, Max, maintenant, on se fait notre petit feedback classique. Tu vas me dire ce que tu as aimé et apprécié de ce match. Tu vas me dire ce que tu as constaté et appris sur toi et sur lui. Et tu vas me dire ce que tu te suggères pour la prochaine fois. Ouais, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Donc il part sous sa douche, il revient. On essaie de faire le feedback le plus proche possible au moment auquel ça fait référence. Il sort de sa douche, il se calme, il remplit ses petits papiers. Et il me dit, écoute, voilà, dans ce match, voilà ce que j'ai aimé et apprécié. Sur moi, sur l'autre. Voilà ce que j'ai appris et constaté sur moi, sur l'autre. Et voilà ce que je ferai la prochaine fois que je le rencontre. Voilà. Ça, c'est inévitable, hein, finalement. Ça, c'est très intéressant. Philippe Prel, un exemple, un feedback tout simplement. Nourriture en retour. Et du réel, c'est-à-dire de pas un truc fantasmé. Oui. Et ça, c'est fondamental comme attitude et dans toutes les situations de ce genre, de d'abord exprimer le soutien pour que tout le positif sorte. Et ensuite, effectivement, le correctif. Mais c'est vraiment en deuxième, toujours. Alors que nous, on le fait trop souvent dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on se culpabilise avant, ce qui nous empêche d'avancer d'ailleurs, en se disant... Mais on croit bien faire souvent ce qu'on se dit. Tiens, la prochaine fois, je ne ferai pas la même erreur. Mais sans aboutir, sans se poser autant de questions que vous incitez vos joueurs à le faire, par exemple, ou les personnes que vous accompagnez. Oui, mais alors à ce stade, je pense qu'on a bien compris, je pense, l'intérêt d'être optimiste et puis de toujours voir le positif, puis ensuite de traiter le négatif. Donc ça, c'est... Alors ça ne se fait pas en deux secondes. Ça ne se fait pas en deux secondes, mais c'est quelque chose qu'on peut cultiver soi-même aussi. Ouais. Ce n'est pas la peine de battre sa coulpe indéfiniment. À un moment donné, il faut avancer. Mais ensuite, je pense quand même qu'il y a autre chose. D'ailleurs, toute votre thématique qui me paraît clé à traiter, c'est que dans certaines situations, notre échec est dû à un évitement comportemental. Forcément ou pas? Non, j'ai dit dans certaines situations. Dans certaines situations. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire simple, dans certaines situations, il y a ceux qui j'ai un objectif, je rencontre un problème. Oui. Il y a ceux qui vont affronter ce problème, même s'ils échouent et après ils vont continuer. Et ceux qui vont éviter ce problème et rater parce qu'ils ont évité. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'eux, on les voit beaucoup en psychothérapie. Parce qu'ils sont bloqués. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner, Philippe Prel? D'un évitement, justement, d'un cas d'évitement. Oui, bah alors admettons, on a deux types d'exemples. Le plus classique, que je parlais de l'ascenseur tout à l'heure. Oui. Je vais avoir d'abord un premier évitement quand j'ai été coincé. Donc, je vais avoir une réaction qui ne va pas être adaptée. Ne plus prendre l'ascenseur aussi les autres fois. Ensuite, ça aussi. Oui, je vais prendre l'ascenseur, puis par dérivation, parce que je vais associer les pensées, je vais devenir claustrophobe, j'irai plus dans les trains où je suis fermé, j'irai plus dans les avions où je suis fermé, etc. Ça, c'est un processus d'évitement et généralisation. Voilà. Ouais, et ce qui est fondamental, c'est de comprendre finalement que les évitements comportementaux rétrécissent notre vie.
Et plus notre vie se rétrécit, finalement, moins plus c'est là qu'on rencontre les symptômes. Et là, c'est là qu'il est, devient précieux d'accompagner les gens, de leur faire prendre conscience des conséquences de l'évitement, de leur faire prendre conscience de quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce qui est important pour eux. Par exemple, je ne prends plus le train ou l'avion, pourtant j'adore voyager, pourtant c'est important pour ma famille, et pour partir en vacances, etc. Eh bien, une fois que j'ai bien regonflé ces valeurs, je vais réaffronter le train, l'avion, etc. En faisant pas ça bêtement, c'est-à-dire en se faisant éventuellement accompagner, bien sûr. En faisant maintenant, il existe des stages, je crois, de... Bien sûr. Des sensibilisations, enfin bon. Mais ce qu'il faut bien comprendre, effectivement, ouais. c'est toute la différence entre quelqu'un qui va être résilient et quelqu'un qui ne va pas l'être, finalement, dans une situation donnée, c'est que certains vont être coincés par un épisode de leur vie, alors que d'autres vont continuer. Il faut voir loin, finalement. J'ai l'impression que c'est un peu ça, Franck Martin, aussi. Il faut gérer ses objectifs, peut-être. C'est pas forcément lié à voir loin. C'est au contraire, je pense, Marie-Ange, voir ici et maintenant. Dans ce que dit Philippe, ce que ça soulève, c'est justement, on parlait de ces fameuses capacités extraordinaires, généralisation, omission, distorsion, que les enfants ont petits, et que nous avons même encore adultes, mais que nous retournons parfois justement dans le mauvais sens pour être notre pire ennemi. Et là, ce que Philippe soulève, c'est justement cette capacité de généralisation qui n'est pas factuelle. C'est-à-dire, je me fais mordre par un chien un jour, oui. Quand je suis petit, j'en ai tellement eu peur que j'en fais un ancrage, et du coup, je mets en place inconsciemment, j'utilise ce que je sais faire pour m'adapter au monde, mais de manière négative contre moi, et je dis tous les chiens mordent, alors que c'est totalement pas factuel. Ouais. Hein, c'est ça qui est incroyable, cette capacité, et du coup, ce qui m'amène à faire m'amène à faire une omission complète sans m'en rendre compte, inconsciente pour l'instant, qui est que j'omets que dans le monde, il y a sans doute plein de petits chiens qui sont vachement sympas. Hein, ça, c'est le contraire, l'omission. Et puis, parfois aussi, je fais ce que je disais tout à l'heure, des corrélations qui sont absolument pas factuelles. Donc, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on est doué de cette capacité d'adaptation au monde faite de généralisation, d'omission et de distorsion de corrélation. Parce qu'on ne nous a pas appris à raisonner au vrai sens du terme, c'est-à-dire à rester factuel, à rester présent ici et maintenant, on va utiliser ces capacités contre nous. Alors, avant que nous nous séparions avec la présence de Charles Aznavour, n'est-ce pas, dans quelques poignées de minutes, j'aimerais bien qu'on évoque ensemble la peur, puisque c'est quelque chose qui nous hante tous. Vous l'avez évoqué finalement entre les lignes à l'instant, Franck Martin. Oui. La peur d'avancer, la peur d'affronter à nouveau cette fameuse obstacle, donc l'ascenseur qui nous terrorise, donc l'immeuble, je ne sais quoi, tout ce qui nous enferme. D'une certaine façon, et ça, vous en parlez tous les deux dans vos livres respectifs. Comment, d'abord vous, Philippe Prel, proposez-vous d'affronter cette peur qui nous hante? C'est difficile parfois de revenir sur ces peurs au fur et à mesure que l'âge en plus avance, non? Oui, question que je vous pose. Hein. Oui, bien sûr. Bah, d'abord, c'est sûr, moi c'est ce que j'appelle les pièges de la conscience. On en a un certain nombre, mais effectivement, le premier, c'est la peur de la mort, très clairement. Et nous, l'enfant la croise entre 5 et 7 ans. À 7 ans, tous les enfants savent qu'ils sont mortels. Ça a été étudié. Et donc, enfin, 99%. Ouais. Donc un certain nombre d'entre eux ont découvert cette épouvante de ne plus être là un jour. D'autres le vivent bien. Ça dépend des moments. Ça peut entraîner des cauchemars. C'est des enfants qui, après, ne veulent plus grandir. Parce qu'on comprend bien pourquoi. Ils veulent rester petits. Voilà. Donc, alors, il faut... Là, on peut leur parler très clairement. Et l'une des phrases clés, c'est de leur dire, on meurt, parler de la mort, parce qu'ils comprennent, et puis leur dire, bon, on meurt quand on a fini de vivre. Autrement dit, pour toi, c'est dans très très longtemps, et ça sera d'abord grand-papa, grand-maman. Mais ça, etc. C'est pas forcément... Non, ça les rassure énormément. D'accord. Parce qu'on leur met du temps. Mais alors, la deuxième chose qui rassure énormément, et c'est toute une dynamique clé de l'humanité, c'est tout ce qui nous dépasse. C'est-à-dire, par exemple, si je suis chrétien, je vais croire dans un au-delà. Par exemple, si mes parents me font ça, c'est le roi lion qui va dire « mon fils, on se retrouvera plus tard ». Eh bien, c'est clair que ça donne de la perspective. Mais tout ce qui nous dépasse, les institutions, les codes, et aider les autres, créer une famille, eh bien, ça nous fait disparaître ces peurs. Et c'est dans l'action qu'on les oublie. Et aussi dans la perception aussi que... On n'est pas piégé par l'univers qui nous entoure. On en parle dans quelques instants. On en continue, pardon, cette conversation dans quelques instants. Comment transformer ses échecs en force dans la vie? Juste après Mes Emmerdes, signé Charles Aznavour. Radio Notre-Dame. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit. Pour réussir, oui. Pour gravir, oh oui, le sommet.
oubliant, oubliant, surrendant ma course contre le temps. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Accord perdu, j'ai couru, assoiffé, assoiffé, obstiné, vers l'horizon, l'horizon, l'illusion, l'illusion, vers l'abstrait, l'abstrait. En sacrifiant ses darons, je m'en accuse à présent. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis, c'était tout en partage. Tout. Mes amours faisaient très bien l'amour. Ah oui. Mes emmerdes étaient ceux de notre âge. Bien sûr. Où l'argent, c'est dommage et peut ronner nos jours. Pour être fier. Fier, je suis fier, fier, entre nous, je l'avoue. J'ai fait ma vie, mais il y a un mais. Je donnerai ce que j'ai, pas tout à fait, pour retrouver, je l'admets. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes relations, ah mes relations, sont vraiment sont haut placés, très haut placés, décorés, très décorés, influents, très influents, bedonnants, très bedonnants, des gens bien, très très bien, ils sont sérieux, trop sérieux, mais près de, tout près de, j'ai toujours le regret de, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis étaient pleins d'insouciance. Oui. Mes amours avaient le corps brûlant. Oh oui. Mes emmerdes aujourd'hui, quand j'y pense, bon, avaient peu d'importance et c'était le bon temps. Les canulars, les pétards, les folies, oui, les orgies, les jours du bac, le cognac, les refrains. Tout ce qui fait, je le sais, que je n'oublierai jamais. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. La vie résumée par Charles Aznavour. Mes amis, mes amours et mes emmerdes. Et je suis toujours en compagnie de deux experts de l'échec et de la réussite. Ça allait vous faire tiquer. Franck Martin et son livre La Contagion du Bonheur, vous qui êtes coach sportif notamment, expert en relations de confiance, donc chez Erol. Et puis Philippe Prel, médecin, psychothérapeute, auteur de Moi, apprendre à vivre avec son meilleur ami et son pire ennemi, chez Albin Michel. Effectivement, en vous lisant tous les deux, on apprend que finalement, dans nos éducations, en tout cas en Occident, je ne sais pas comment c'est en Orient, je ne connais pas suffisamment, mais chez nous, c'est jamais folichon côté apprentissage, j'allais même dire de la liberté d'être soi, c'est-à-dire avec une forme de conscience sur ce qui nous arrive, qui n'est pas exagérément négative ou exagérément positive, Franck Martin. Non, on ne nous apprend pas ça, on ne nous apprend pas la liberté précisément, on nous apprend la sociabilisation. Et donc, du s'adapter coup, oui, on s'adapte. Et voilà, et c'est vrai que depuis tout petit, on voit que les parents passent leur temps à obliger d'une certaine manière, sans s'en rendre compte, hein, parce qu'ils ne le font pas en responsabilité, justement, à leurs enfants à mettre des masques pour être aimés, hein, pour être appréciés. Et c'est ce qui fait que petit à petit, ensuite, dans la vie, on continue de vivre. À la lumière, on peut dire faire semblant de réussir. Bien sûr, finalement. Bien sûr, oui. C'est faire semblant, c'est-à-dire c'est réellement s'oublier soi-même. C'est-à-dire c'est vraiment être tellement centré sur l'autre qu'on s'en oublie soi-même. Ce qui fait qu'après, précisément, on vit ce que moi j'ai vécu, puis que d'autres gens vivent au quotidien, c'est-à-dire des ruptures amoureuses. Ah, ça, vous en avez connu, vous. Oui, j'en ai connu, mais moi j'ai toujours eu des belles histoires longues. Ouais. Je ne suis pas du genre à consommer. Mais vous étiez en double vie pendant très longtemps, en fait. J'étais à côté de vous, quoi. Oui, j'étais vraiment, alors pas en double vie amoureuse, hein, précisons bien, mais en double vie tout court, ouais, tout à fait. Ouais. C'est ça, moi, c'était un jour, boum, ça m'est tombé vraiment sur la tête. Et puis ensuite, malgré cette prise de conscience, j'ai continué à être en double vie. C'est-à-dire, j'avais la conscience de quelque chose d'universel.
ouais. hein, qu'on peut appeler Dieu comme on veut, ce que voilà, chacun donne le nom qu'il a envie. Une certaine forme de foi, finalement. De conscience. Et en même temps, je n'arrivais pas à retrouver ces instants de magie que j'avais vécu après cette espèce de choc physique que j'avais pu avoir à un moment et moral. Et puis un jour, j'ai découvert ça grâce à un thérapeute qui était devenu un de mes amis. J'ai fait 20 ans de psychanalyse avec lui, c'était extraordinaire. Puis on est devenu amis après. Jacques, non ? Jacques Lardot, ouais. Et un jour, j'ai découvert avec Jacques que, justement, on parlait tout à l'heure, on se disait, je lui posais souvent la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et en fait, j'ai découvert que la vie, c'était ici et maintenant. C'est-à-dire que globalement, il y avait trois certitudes dans la vie, si j'ose dire. Il y avait la certitude de notre naissance, ouais. C'est prouvé. La certitude de notre mort, c'est prouvé. Et au milieu, il y a l'instant présent. Et la vie, elle se déroule à l'instant présent. Et donc, quand on dit « qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?», on est juste en train de dire qu'on n'est pas conscient que la vie se déroule ici et maintenant, et que le seul moyen de faire une belle symphonie, un beau morceau de quelque chose, un bel acte sportif, etc., c'est de développer cette capacité de la présence, ouais. de vivre en pleine conscience. Alors, c'est drôle parce que ça fait écho justement à page 79 à ce que vous dites, vous de votre côté, Philippe Prel. Comment éduquer son enfant, entre parenthèses, pour qu'il devienne un être libre, point d'interrogation ? Et vous dites que c'est le nombre de consultations d'enfants que vous avez, qui sont les plus récurrentes, au fond, d'enfants qui sont devenus complètement tyranniques, d'enfants rois, vous dites ça. Quel est le lien avec la liberté ? En fait, c'est toute l'ambiguïté de l'éducation. Parce que, d'un côté, il a parfaitement été démontré que les enfants les plus disciplinés réussissent le mieux leurs études. Et du reste, on oublie, il ne faut pas oublier que le mot « disciple », celui qui écoute le maître, ouais. il écoute le maître sagement. Ouais. Et c'est vrai que faire une classe avec 30 enfants dissipés, tout le monde y perd. C'est l'horreur. Ouais. C'est l'horreur. Donc, la discipline doit être un acquis. Mais le problème avec la discipline, c'est que je vais féliciter celui qui est discipliné, donc il aura un bonus. Ouais. Et celui qui ne va pas être assez discipliné, je vais le punir. Donc, il aura un malus. Et ça va, donc ça ne donne pas des points à la désobéissance. Voilà. Donc ça, c'est une problématique. Alors, selon moi, l'une des façons de s'en sortir, c'est de bien comprendre que finalement, l'enfant accède à la conscience entre 4, 5, 7 ans. Voilà. Et avant, il est dans ce que j'appelle, moi, le présent absolu, comme les animaux. Et dans ce présent absolu, ouais. ce n'est pas la peine de chercher à l'élever, lui faire faire plein de choses. L'éduquer. Voilà, ça ne sert à rien. C'est pourtant très tendance de faire ça. Oui, oui. Bourre le crâne de ta truc. Le bourre le crâne, parce que vous allez lui donner des ordinateurs, des tablettes, des jeux de ci, des jeux de ça. Il va être hyper stimulé, alors que fondamentalement, dans son monde à lui, il n'a pas besoin de tout ça. Il a besoin d'être aimé, d'être avec quelqu'un qui parle et avec qui il échange, faire la cuisine avec maman ou papa, et puis comprendre qu'on épluche les carottes, on fait ci, ce vocabulaire qui rentre. J'ai toujours pensé à la gloire de mon père, vous savez, quand l'enfant est avec tante Augustine et sa mère, il raconte en fait. Mais oui, il raconte, mais ça, c'est clé. Et dans cette période de l'enfant, effectivement, lui apprendre les bases de la discipline pour que ça se passe bien. Ouais. Voilà. Et puis, j'allais dire, il faut aussi privilégier tout ce qui est manuel, parce que tout ce qui est manuel va énormément développer nos capacités cérébrales, toutes nos acquisitions, le dessin, même apprendre avec la fourchette, enfin tout ce qu'on fait avec notre corps. Tout ce qui n'est pas sur une tablette, en fait. Voilà, développe très bien l'esprit de l'enfant. Donc et à partir du moment où on arrive au CP, pour faire simple, finalement, ce qu'on appelait l'âge de raison aussi, on arrive au CP, l'enfant a bien passé cette époque-là, eh bien, là, on peut passer à l'élévation. C'est-à-dire que je peux questionner les choses avec l'enfant. Je peux faire des réponses en deux temps, etc. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait fondamental de bien distinguer les deux. Il ne faut pas partir trop tôt. Et si c'est pas, on ne fera pas un génie en lui bourrant le crâne entre 0 et 5 ans. En gros, c'est ça, finalement, qu'il faut retenir. Jean-Martin, vous avez retenu Vous avez fait ça avec vos enfants ou pas? Non, en fait, oui, mais c'est marrant parce que les mots sont toujours attachés à des expériences très différentes. Moi, j'ai même plutôt tendance à dire que il y a une vraie fondamentale différence entre élever et éduquer. Pour moi, élever, c'est vraiment élever au sens du terme. Ouais. C'est-à-dire, c'est faire en sorte que l'enfant s'élève. Et d'ailleurs, on peut élever aussi des adultes. Hein, les adultes ont aussi le droit de s'élever au vrai sens du terme. C'est-à-dire de retrouver cette conscience de soi.
Éduquer, c'est donner les règles sociales. Donc c'est important, effectivement, de pouvoir non pas faire que les deux se suivent ou se succèdent, mais de les faire ensemble. C'est-à-dire que je pense que éduquer un enfant, c'est-à-dire lui apprendre les règles de la vie sociale, va dans le même sens que l'élever au sens de sa liberté. Élever un enfant, c'est lui créer de la liberté, hein, avec tout ce qu'on disait tout à l'heure, qui fait que quand on nous éduque, on nous donne pas les éléments de ça, eh ben on passe précisément à côté. Et là, le moindre échec, pour revenir au sujet, devient une catastrophe. Bah, c'est même pire que ça. Tard, c'est que aujourd'hui, quand on regarde l'école, qui essaie de faire du mieux qu'elle peut, bien parce sûr. Que je pense qu'il n'y a pas un c'est instituteur, pas un éducateur qui essaye pas de donner le meilleur de lui-même. Je pense même que l'école, au sens national du terme, l'éducation nationale, essaye de faire au mieux que de ce qu'elle peut avec ses croyances et ses modes de fonctionnement. Sauf que on est dans un système qui demande l'obéissance et qui fait du contrôle, là où on a besoin d'enfants, enfin on a besoin, où l'enfant a besoin lui-même d'autonomie, de liberté et d'expression de lui-même. C'est pour ça que je prône, moi, très souvent, alors, entre autres, les écoles Maria Montessori, les écoles Montessori, qui sont précisément dans le manuel, quand je dis le manuel, le fait de faire des choses et de créer avec l'enfant qui a un cadre de travail. De ne pas bouffer du... Voilà, on lui donne un vrai cadre de travail, mais on lui crée cette formidable autonomie et liberté. Ce qui motive les enfants et les adultes, d'ailleurs. Ça rend équilibré, hein, tout simplement. Bien sûr. Et surtout, c'est faire découvrir ce qui est juste essentiel à la vie. C'est d'un côté, ce qui nous motive, c'est effectivement la sécurisation, la sécurité. Donc ça, c'est le cadre. Et de l'autre côté, c'est l'autonomie. C'est vraiment le besoin essentiel de tout enfant et de tout homme. Dans le management, c'est pareil. Dans une entreprise, quand vous avez un système de management qui est basé sur l'obéissance et le contrôle, ben vous avez des gens qui sont malheureux, qui font des burn-out. Et Philippe doit en avoir dans son cabinet tous les jours. Alors que ce que cherchent profondément les gens, quel que soit l'âge, c'est l'amour de l'autre. C'est le fait d'avoir une estime de lui-même parce qu'il participe à quelque chose d'essentiel. C'est l'autonomie. Et c'est cette capacité à pouvoir exprimer qui l'on est réellement. Alors moi, j'ai une question qui aurait dû intervenir peut-être au début de l'émission. C'est quoi l'échec, en fait, finalement? C'est l'échec de ce qu'on aurait rêvé de faire. Bon, ça, on imagine que dans le mental, c'est une idée qui est peut-être l'idée la plus répandue. Mais c'est aussi, par exemple, la burn-out. Je viens d'y penser, après ce que vous venez de dire, Franck Martin. Un burn-out, c'est aussi un échec, finalement. C'est de ne pas avoir réussi à tenir le coup. Je ne sais pas... Dites-nous, Philippe Prel. Oui, là, c'est votre question soulève la multitude des vécus qui sont différents et propres à chacun. J'ai vécu ça comme un échec souvent, c'est quelque chose qu'on entend. Oui, après, de représentation encore. Ouais, de représentation, par exemple, c'est vrai que avoir une médaille d'argent, pour certains, ça va être une réussite, pour d'autres, ça va être un échec. Donc, je n'ai que la deuxième place. Voilà, et donc, fondamentalement, ce qu'on caricature avec la médaille d'argent est vrai pour tous les épisodes de notre vie. Et on peut, effectivement, à certains moments donnés, faire le dos rond, parce que ce n'est pas notre moment, et attendre le bon moment, et préparer le bon moment, mais on peut aussi se faire piéger. Justement parce qu'on n'a pas supporté l'inconfort psychologique dont je parlais, ces émotions négatives qui nous bouffent et qui peuvent nous mener au burn-out. Alors, j'exclus bien sûr ceux qui subissent des choses qui ne sont pas acceptables et dont le burn-out est l'expression et ça se comprend parfaitement. Mais dans nombre de cas, effectivement, notre souplesse va être fondamentale. Et c'est vrai que finalement, moi, ce que j'explique aux gens, c'est que c'était une image de Milton Erickson, c'était toujours, on est face à un fleuve qui arrive sur nous et on veut empêcher que les choses arrivent. Et évidemment, on se fait submerger par le fleuve. Alors, par moment, il faut chercher des solutions où on va simplement dévier le fleuve. Voilà, et après l'accompagner et se dire je vais aller ailleurs. Autrement dit, c'est cette souplesse, pas vouloir toujours faire barrage, qui va me permettre de m'adapter. Et parce qu'il y a des moments où il vaut mieux changer, contourner, des moments où il faut affronter. C'est toute cette souplesse qui va être déterminante. Et c'est vrai que c'est pas simple, Franck Martin. Il faut parfois aussi avoir un
regard extérieur peut-être pour s'aiguiller un petit peu dans sa vie. Un regard extérieur, je pense que c'est nécessaire effectivement parce que ça nous permet de prendre ce recul que parfois on n'arrive pas à prendre. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure en disant est-ce que le burn-out c'est pas un échec. Moi je pense que là aussi le fait d'avoir ce côté binaire de l'homme, le bien, le mal. Alors oui, il y a des choses qui sont binaires dans la vie, la lumière et l'obscurité, ça c'est vraiment binaire. Mais après, le binaire c'est aussi encore une fois une forme de pensée. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui peut se cacher de merveilleux dans quelque chose qu'on pourrait au départ considérer comme un échec. Par exemple, un burn-out, c'est peut-être quelque chose qu'on peut vivre comme un échec, mais aussi éventuellement le début d'une autre vie. Moi, je dis souvent à mes copains qui se moquaient de moi quand je divorçais, tu divorces, t'es instable. Je dis, écoute, ça c'est une vue de l'esprit, moi je divorce, je progresse. Voilà, et encore une fois, c'est l'idée qu'on se fait des choses et on a la liberté totale et de changer. Oui, son mariage fut un échec, souvent entendu. Parce que ça fait partie du social et du quotidien, ce mot-là. Mais dans la réalité factuelle, je pense que on a le choix dans la manière dont on code les choses. Moi, ce que j'ai redécouvert il y a quelques années maintenant, c'est la vie, elle n'est pas bonne ou mauvaise, elle est tout court. C'est une matière première. Et c'est pas moi qui le disais au départ, moi je l'ai appris de quelqu'un extraordinaire qui s'appelle Virginia Satir et qui disait la vie n'est pas telle qu'elle devrait être, elle est comme elle est. Et moi ce jour-là j'ai compris une chose, quand j'ai lu cette phrase j'ai compris que je n'avais pas le choix dans ce que je disais tout à l'heure, dans ce que la vie me réservait, et que moi mon choix et ma liberté c'était de réapprendre. Et ça, on peut l'apprendre à n'importe quel âge. Et on peut conserver ces petits-enfants qui sont là-dedans, des tout-petits. On peut réapprendre à ne pas codifier sa vie comme positive ou négative, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se cacher derrière de quelque chose qu'on code un jour comme négatif, mais qui peut être la plus grande réussite de notre vie. Un jour, j'ai un de mes copains, c'était dans les années 92, qui m'appelle catastrophé d'un parking de l'autoroute et qui me dit « J'ai raté mon avion pour Strasbourg, c'est une horreur, je vais rater la plus grosse affaire de ma vie. » Moi, je compatis, je dis « Ouais, je comprends, c'est chiant, c'est tout. Écoute, essaye de voir comment tu peux prendre un avion demain matin. Ouais, mais le client voulait absolument que je sois là la première heure, je vais perdre mon affaire, etc. » Et puis moi, j'écoute la radio, et puis le soir même, vers 11h30, j'entends que le vol Air Inter, qui était précisément celui que mon copain devait prendre, s'était crashé sur le Mont-Saint-Odile. Je l'ai appelé tout de suite, je lui ai dit, tu vois, dans le pire se cache souvent le meilleur. Waouh. Eh bien, ça sera presque le mot de la fin. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Prel, avant que vous en ayez un également, livrant cette fin d'émission sur les échecs qui se transforment en force au fond, qui peuvent se transformer en force dans chacune de nos vies, à quel âge que ce soit. Moi, ce que je retiens surtout, et l'exemple de Franck va complètement dans ce sens-là. En 5 secondes, c'est peut-être un peu juste. Oui, c'est que la vie est pleine d'imprévus et qu'il faut rebondir. Et ben voilà, ce sera le résumé de cette émission, le contagion du bonheur chez Erol. Merci infiniment à vous deux, moi, apprendre à vivre avec son meilleur ami et son pire ennemi, Chalvin Michel, pour le Philippe Prel. Merci infiniment à vous deux et très belle journée pleine de réussite à tous. Merci, Marie. Merci. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com. Et demain, eh bien, comment apprendre à être moins impatient? C'est la question que nous poserons à nos trois invités dans Quête de sens. Le carême approche. Prions en Église vous invite à faire...